Et bonjour tout le monde, c'est Green Creeper. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à faire ce magnifique setup. Allez, c'est parti, le tuto. Donc, les amis, pour ce tuto, il va vous falloir énormément de blocs et d'éléments sur Minecraft. Donc, on va commencer tout de suite. Il va vous falloir... pas du béton gris, du coup. Il va vous falloir un escalier en quartz lisse, un tapis blanc, une barre de lend, un porte-armure, un bouclier... Une bannière grise, un établi, une bannière grise claire cette fois, un cadre, une trappe en fer, un piston, un bloc de redstone, un muret, en pierre ou en ce que vous voulez, du moment que ce soit un muret du coup, un crâne de wither squelette, un pot de fleurs, un cactus, des feuilles de chêne, des casques en maille, deux casques en maille, un casque en fer, des bannières blanches, des blocs de quartz lisse et des dalles de chêne. Donc, vous allez vous mettre dans la pièce où vous voulez et vous allez placer... dans le chat, cette commande qui sera en description. Ah, attendez, il faut que je la trouve. C'est bon les amis, j'ai trouvé la commande. Ce sera celle-ci que vous allez placer, que vous allez copier dans la description. Ça va vous filer un porte-armure. Qui sera celui-là, je pense. C'est lui. Enfin, en tout cas, j'espère. Et vous allez le placer comme ça. Voilà. Comme ça, il est placé, il est bien beau. On s'en fout. Allez, on va placer l'établi. Vous l'ouvrez. Vous prenez le bouclier. Vous prenez la bannière grise. Et ça vous fait un bouclier gris. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous pouvez ôter la table de craft. Vous avez plus besoin de la table de craft. Et du porte-armure que vous venez de vous guiser. Vous allez placer l'établi en faisant un simple clic droit sur le porte-armure. Et vous allez prendre le bloc de quartz lisse et les escaliers. Vous allez placer deux blocs comme ça. Un autre bloc ici, comme ça. Vous allez prendre le piston et le bloc de redstone. Tac. Vous allez placer le piston et le bloc de redstone. Tac. Et voilà. Ensuite, on va terminer de faire la table du bureau, puisque là c'est pas très joli, c'est pas esthétique. Vous allez placer les escaliers tout autour du quartz, sauf au milieu, on le placera après, je vous expliquerai pourquoi. Comme ceci, tac, et tac. Voilà, ça donne ça normalement. Ici, vous allez faire un trou dans le sol, comme ça. Vous allez placer un tapis blanc. Vous allez surélever tout comme ça, de deux, c'est peut-être mieux je pense, comme ça, ça vous pouvez ôter, et comme ça. Vous allez prendre un porte-armure, que vous allez placer le plus droit possible, la tête, faut qu'elle soit la plus droite possible. Ok, on va voir tout de suite, on va prendre le casque en maille. Vous voyez, c'est pas très droit. Ça sera pour faire le clavier, du coup, faut qu'il soit un minimum droit, quoi.
Non. 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 Ah, là, c'est... Ok, là, c'est droit. Voilà. J'avais eu la flemme de faire avec le distributeur. Quoique, j'ai peut-être utilisé le distributeur. Ce sera peut-être mieux, je pense. Je pense que ça sera peut-être mieux. On va pouvoir looter. Allez, dégage, dis-là, mon ami. Allez, on prend un porte-armure. On l'active. Tac, là, on est sûr qu'il sera bien droit. On utilise le casque en maille. Tac. On va prendre un bloc, peu importe, je vais prendre le bloc de quartz. Et vous allez prendre le bloc de piston. Enfin, le piston. Vous allez placer comme ça. Sauf que cette fois, vous allez oublier ce que je vous ai dit depuis le début de mes tutos. Donc, vous allez placer le bloc de redstone. Mais cette fois, au lieu de casser d'abord le piston, vous allez oublier ce que j'ai toujours dit. Vous cassez d'abord le bloc de redstone. Parce que ça va le retirer. Comme ça. Et après, vous pouvez le casser et casser en dessous. Et du coup, là, ça a fait une espèce d'effet ventouse. Vous avez vu, cette fois, ça l'a tiré. Parce que ça, on a d'abord cassé le bloc de redstone. Du coup, ça. Bon, je pense que vous avez compris. Vous allez reprendre un deuxième porte-armure. Tac. Vous allez le placer encore dans votre distributeur. Vous l'activez. Tac. Ensuite, vous pouvez ôter tout ça. On n'en a plus besoin. Et cette fois, on va refaire la même chose. On place le casque. Tac. Vous allez placer le bloc de piston, le bloc de redstone. Vous cassez d'abord le bloc de redstone, après le piston, et après, vous cassez ceci. Et regardez, en fait, ça fait une sorte d'effet qui fait effet clavier. Et c'est, je trouve ça ultra stylé. Bon, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont dit, qui l'ont fait, qui ont utilisé cette technique. Mais je trouvais qu'elle rendait bien. Du coup, je l'ai fait à ma sauce. Donc voilà. Tac. Vous placez l'escalier comme ça. Vous placez le bloc de redstone. Enfin, le bloc de piston plutôt. Bah, oui, j'arrive pas à voler. Ah, voilà. Ici. Tac. Voilà. Et vous allez le faire une deuxième fois. Donc, placez un bloc n'importe lequel. Vous l'activez. Voilà. Maintenant, vous pouvez casser les deux blocs là. Et vous voyez que, mine de rien, ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à prendre forme. Ensuite, maintenant, on va prendre les crânes. Déjà, ça, j'en ai pas besoin. On va prendre les crânes de Wither Skelet. Et ça aussi, j'en ai pas besoin. Enfin, si, j'en aurais besoin tout à l'heure. Vous allez prendre les crânes de Wither Skelet. Et vous allez vous mettre légèrement sur le côté, comme ça. Tac. Et vous allez le poser. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, mais dans le sens inverse. Mais légèrement. Vous penchez légèrement. Parce que je l'ai mis bien. Encore un petit peu plus. Non, c'est bon. Donc pour l'instant, ça rend comme ça. On a fait. En fait, les crânes de Wither Skelet, ça fait comme des espèces de baffes, à peu près. Du coup, maintenant, vous allez prendre les pots de fleurs. Et vous avez plus besoin du crâne. Vous prenez les cactus. Et les feuilles de chêne, vous allez poser le pot de fleurs ici, le cactus vous allez taper comme ça, et vous placez les feuilles juste au-dessus. Si vous voyez que mes feuilles elles sont pas comme Minecraft normal, c'est un peu normal, c'est parce que j'ai utilisé un texture pack, je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Tac. Voilà. En tout cas, ça rend bien beau pour l'instant, mais c'est toujours pas fini. On va faire la chaise là. Là, on va faire la chaise. Ça va rendre un tout autre niveau. Ça va être bien beau. Oh, bah, ok. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Ok. Bah, j'avais oublié. C'était parce que j'avais fait la mini juste avant. On va dire, vous avez rien vu. Vous cassez de deux blocs de profondeur. Vous allez prendre les dalles, tac, que vous allez placer au fond. Voilà, c'est comme vous avez vu.
Vous allez prendre le muret. Tac, ça on en a plus besoin. Et vous allez placer ici. Vous allez prendre le distributeur. Vous allez le mettre ici. Non, contre comme ça. Vous allez mettre un nouveau porte-armure. Ah, bah du coup, il en faut encore un autre. Tac, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça, et on n'a plus besoin de ça. Tac. Vous allez mettre le porte-armure comme ça. Maintenant, vous prenez le casque en fer. Et vous allez l'équiper. Et hop. Vous pouvez casser. Tac. Vous prenez le piston. Enfin, le bloc de redstone sera plus rapide. Et après, le piston, vous le cassez comme ça. Après, vous cassez, peu importe. Ensuite, vous cassez le muret. Vous allez prendre le matériau du sol. Moi, c'est du bois. Du coup, je vais faire comme ça. Tac. Tac. Vous placez le bloc de... Non, pas là. Tac. Peut-être plus comme ça. Et lui, pareil. Et vous allez l'activer. Et vous allez le refaire encore une fois parce que ça ne l'a pas mis complètement dans le sol. Voilà. Ensuite, vous pouvez casser les blocs qui restent. Et vous allez prendre... La bannière blanche, toute blanche, vous allez vous mettre dans cette position et vous allez poser la bannière sur le bloc qui est juste là, comme ça. Et vous pouvez voir que ça fait un effet style chaise, c'est incroyable, c'est bien beau, mais c'est toujours pas fini. Continuez à suivre le tuto. Tac. Ne vous inquiétez pas, on est bientôt arrivé à la fin. Vous allez prendre j'ai oublié de les prendre. Les cadres que vous allez prendre. Et vous allez les placer. Un ici. Un au milieu. Et un de l'autre côté. Vous allez prendre la trappe en fer. Et vous allez les mettre dans les trois. Comme ceci. Et vous allez les tourner jusqu'à ce qu'ils arrivent en... j'ai un peu loupé. Voilà. Et vous faites la même chose pour les trois. Voilà. Vous prenez la bannière grise. Claire. Et vous allez la poser sur le bloc. Et vous pouvez voir que ça commence à prendre forme. C'est bien beau. Mais il manque un truc primordial. Et c'est bien sûr les LED. Donc on va prendre les barreaux de LED. On va prendre les escaliers. Et on va prendre les tapis blancs que j'ai voté tout à l'heure comme un imbécile. Les tapis. Et vous prenez le tapis blanc. Vous allez vous mettre un bloc après dans la diagonale de... des feuillages en chaîne. Non, j'ai mal placé. C'est-à-dire que vous visez le haut du bloc. Et la même chose de ce côté. Vous placez deux barreaux de LED sur ce bloc. 1 et 2. Et vous faites la même chose de l'autre côté. 1 puis 2. Et le dernier, vous le placez comme ça. Ensuite, vous allez placer les tapis au-dessus des escaliers et des barreaux de LED. Comme ça. Et voilà. Je vais juste enlever tout ce qu'il y a dans mon inventaire. Ça sert plus à rien. Et vous avez fini votre super setup. Je trouve qu'il est incroyable. Dites-moi des nouvelles. Notez-le sur 10 dans les commentaires. En tout cas, moi, je le trouve bien beau. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire positif ou négatif du moment qu'il soit bien justifié, à mettre un pouce bleu et surtout rejoignez mon Discord, il se trouve dans la description, rejoignez-le en balle. C'est mon Discord, il y a mon Discord personnel si vous voulez me parler en privé,
Et il y a mon serveur Discord. Je veux que tout le monde rejoigne mon serveur Discord. Tout le monde qui regarde cette vidéo, rejoignez mon serveur Discord. On va faire des bêtes de trucs sur ce serveur. Et c'est sur ce serveur que je préviens qu'il y a les notifications de mes vidéos. Et si vous voulez recevoir les notifications, déjà activez la cloche de notification, logique. Et allez sur mon serveur Discord. Je le répète, j'ai pas envie qu'il reste inactif. Je veux qu'il devienne monstrueux ce serveur. Allez, si la vidéo vous aura plu, abonnez-vous. And then you push me away, painkillers for breakfast, I ain't feeling a day, I'm fucking geeked up, but I tell her I'm okay.